Par écouter cette ambiance, toute la France retient son souffle pour voir ces Verts. Qui c'est les plus forts, évidemment? C'est les Verts depuis 15 jours. Et cette journée décrétée historique par le président Roger Rocher, eh bien tout le monde se met à y croire. Voici la composition de cette équipe de Saint-Etienne qui vient de réaliser l'un des plus grands exploits du football français contre le Dynamo de Kiev et qui espère en faire un autre, cette fois-ci contre Eindhoven à domicile. Composition assez classique. Défense que l'on connaît, avec notamment le gardien Kurkovic qui aura un rôle très important, les frères Révelli au milieu de terrain. La jeune star montante, c'est Dominique Rocheteau, sans oublier évidemment Larquet et Battenay. De l'autre côté, là aussi, c'est du grand classique. On surveillera les frères Van de Kerkhoff, avec le grand Suédois aussi qui sera devant, c'est Edström. Et Van der Kuylen, qui est un peu le maître à jouer de cette équipe, là aussi défensivement. C'est du grand classique avec un gardien de renommée qui est Van Beveren pour ce match tant attendu entre ces deux équipes. Nous sommes le 31 mars 76 à Geoffroy Guichard. C'est le match aller de cette demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions et c'est parti. Au stade Geoffroy Guichard. Grosse, grosse ambiance avec un premier ballon là-bas dans les pieds de Dahlquist et dans les bras de son gardien, Van Beveren. Le PSV qui a réalisé aussi un expo hein, pour se qualifier, c'était face à Split. On y reviendra. Et qui vient ici serein, comme a pu le déclarer son entraîneur Kees Rijvers. Mais les Verts sont soutenus par tout un peuple, par toute la France. Verte de peur évidemment, mais verte tout court. Il y avait du vert partout dans toutes les rues. C'est un match très très attendu à Saint-Etienne, mais qui plus est partout. Et c'est vrai que dans Saint-Etienne, c'était aussi très très impressionnant. La fièvre est montée petit à petit. Et bien ça y est, on y est pour ce match de demi-finale. Il faut rappeler que l'année dernière, Saint-Etienne s'était fait éliminer déjà en demi-finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Kurkovic qui relance avec ce 1-2. Ravelli qui va remettre derrière. Plaza, déviation de Larquet et les chœurs stéphanois qui chantent et qui résonnent déjà en ce début de match. Intervention et premier coup de sifflet de l'arbitre. Alors que l'on voit Bray, l'un des défenseurs hein, de cette équipe. Le PSV champion en titre aux Pays-Bas et qui est bien parti d'ailleurs pour remporter un deuxième titre consécutif de champion, tout comme Saint-Etienne, même si pour Saint-Etienne c'est un petit peu plus compliqué. Attention à ce ballon et cette première intervention avec une bonne occasion pied en l'air. Pied en l'air, c'était un peu trop beau pour Ralf Ekström, le Suédois. Mais premier avertissement pour les Verts. Objectif évidemment à domicile, ne pas encaisser de but. Et si possible en marquer. Patrick Révelli est arrivé un petit peu trop tard. La déviation, Saint-Etienne qui pousse. Et vous voyez, défensivement, on ne se pose pas de questions du côté du PSV avec Dominique Rocheteau qui est accroché. Ah, c'est peut-être un beau coup franc là pour Jean-Michel Larquet. Vous voyez, on pousse du côté des hommes verts. Avec Piazza là, qui est venu de faire un peu le ménage et la police. Et le ballon dans les pieds tout de suite de Jean-Michel Larquet. Et le public qui lui demande de marquer. Ah, ce serait pas mal au bout de quelques minutes seulement. On sait qu'il est très adroit dans cette position, mais il préfère donner ce ballon avec cette frappe juste à côté. On revoit cette frappe au ralenti. Et ça passe à côté, début de Van Beveren. Début de match à l'avantage de l'équipe française. Ah, qui va avoir besoin de ce soutien. Ballon à gauche. Ça circule pas trop mal pour l'instant du côté des Verts, mais on a du mal à progresser. C'est dégagé de la tête par Dijkers. Attention à Van der Kuylen qui peut ouvrir là-bas côté droit. C'est dangereux pour Van de Kerkhoff. Intervention de Lopez. Et voici René Van de Kerkhoff qui a joué la dernière finale de Coupe du Monde. On joue vite côté néerlandais. Van de Kerkhoff toujours.
lève la tête, cherche des solutions, extérieur pied droit dans la surface de réparation, c'était bien fait. Et il y avait Dominique Gérard-Janvion côté droit, et on peut relancer rapidement avec Baltenay qui donne à Larquet. Larquet qui est passé, grosse faute sur Jean-Michel Larquet. Et nouvelle intervention de l'arbitre, premier carton jaune de la partie. On revoit cette contre-attaque. Une grosse obstruction là du défenseur. Il me semble que c'est Stevens hein, qui a pris ce carton jaune. Et Larquet, un peu KO, qui met pas mal de temps à se relever. Nouveau coup franc bien placé. Depuis 1965 est à Saint-Étienne, véritable figure du club. Larquet qui s'avance, qui peut frapper directement sur Van Beveren. Il avait choisi de frapper à terre, ça a failli payer. Krieg qui relance directement sur un verre, la touche sera néerlandaise pour ce début de match assez équilibré. Les verts quand même doivent se méfier, on a vu que offensivement il y avait énormément de répondants. Rocheteau qui est passé, qui accélère, Rocheteau toujours avec le ballon dans les pieds, impossible de lui prendre Dominique Rocheteau qui a le contre favorable, qui est presque allé au bout, les verts qui poussent, et le ballon est contré. Regardez Larquet qui va le chercher, Rocheteau en retrait, beaucoup de mouvement, c'est même Janvion est monté. C'est bien fait avec Révelli. Qui essaye de centrer, c'est fait, le ballon est repoussé. Au 20 mètres, personne pour le reprendre. Sinaguel qui peut donner là-bas. Et qui réalise un superbe geste technique. Non, ça ne passera pas. Un mur rouge. Le centre est contré. Le ballon est toujours vert. Et finalement, ce sera une touche. La touche qui est faite par Sinaguel préfère la laisser à son petit camarade. C'est passé. Avec des contacts très durs en ce moment. Le match est en train de se muscler, mais on sait que cette équipe du PSV Eindhoven est une équipe très dure à jouer. À l'image de ce joueur, René Van de Kerkhove, qui va très vite. Il est très puissant. C'est la nouvelle vague du football néerlandais. Un football très très talentueux à l'image de cette équipe. Et on pense évidemment à son prodige Johan Cruyff qui fait des merveilles en ce moment. Finalise la dernière Coupe du Monde des Pays-Bas et déjà qualifié pour le championnat d'Europe. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Et c'est le premier corner pour le PSV Eindhoven. Déjà les mains sur les hanches, hein, côté stéphanois, parce que le début de match a été âpre, très dur. Et on s'attend de toute façon à un combat physique de chaque instant lors de cette partie imposée par le PSV Eindhoven, qui fait souvent très très mal aux équipes adverses. La sortie de Kurkovic, sans problème. Voilà, c'est bien, il va rassurer sa défense, Ivan Kurkovic. Il peut dégager le plus loin possible avec Révelli qui arrive comme une fusée. Les superbes gestes défensifs de la part de Krieg là, qui est ressorti. Qui peut donner là-bas côté gauche. Et Strom qui a mis avant de Kerkhove. Enfin, qui a failli se jouer de Janvion et finalement Janvion a eu le dernier geste. Piazza qui pousse trop son ballon, qui va perdre ce ballon. L'Argentin. Et c'est récupéré par Stevens. On joue vite. Attention, il y a des espaces pour Van de Kerkhove. Non, c'est Dahlquist qui était côté gauche. Van de Kerkhove était parti au centre. Et les Néerlandais qui ont toujours ce ballon. Il faut pouvoir se retourner. C'est audacieux. Finalement, ce sera un dégagement en 6 mètres. Stevens qui était monté. Et écoutez un peu cette ambiance qui règne dans ce stade Geoffroy Guichard, et c'est comme ça dans toute la France. Tout le monde est en train
de regarder ou d'écouter ce match et de vibrer pour les Verts, car c'est vrai que le quart de finale a été homérique, vraiment, vraiment, contre le Dynamo de Kiev, dans la prolongation avec des Stéphanois. Oh, attention à ce ballon perdu, avec ce crochet, ce grand pont, dans la surface de réparation, Kurkovic qui peut sortir et prendre ce ballon, que c'était dangereux. Que c'était dangereux face à Willy Van de Kerkhove qui était bien parti. Il va falloir vraiment être vigilant défensivement, parce qu'on l'a vu, les Néerlandais ne sont pas maladroits. Et ça a fait quand même deux occasions assez franches. Rocheteau. Rocheteau qui peut centrer, c'est contré. Peut-être un corner. Voilà, ce sera un corner pour les Stéphanois. Et on réclame toujours ce fameux but pour les Verts. Allez, il y a du mal là, dans la surface de réparation pour reprendre ce ballon. Ouais, dévié directement sur Van Beveren. Qui peut dégager là-bas pour Van der Quillen. Qui attend du renfort. Van de Kerkhove qui touche énormément de ballons dans ce début de match. Le bon retour. Et Stéphanois, encore une faute. Ouais, cette fois-ci sur Hervé Revelli. L'aîné hein, de la famille Revelli. En tout cas, les deux frères qui font du mal en ce moment aux défenseurs adverses, avec Battenay dans la surface de réparation. Ballon est dévié. Larquet qui peut remettre à Battenay. Oh là, mauvaise passe de Battenay. Et on repart pour la contre-attaque avec Edström. Ouais, petite mésentente. Et en tout cas, de toute façon, c'était beaucoup trop fort. Et Kurkovic qui joue vite. Pas de temps mort en ce début de partie. Avec Piazza. Ah non, là aussi, ça passe au-dessus de son coéquipier. Et les Verts n'ont pas eu beaucoup d'images et de renseignements sur cette équipe du PSV. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est Pierre Garonner, l'un des dirigeants de cette équipe, qui est allé donc voir un match entre l'Ajax et le PSV Eindhoven. Et bien, figurez-vous qu'il a eu beaucoup de mal à rentrer déjà dans ce stade. Il a finalement trouvé deux billets. Et au bout de 5 minutes, eh bien, on est venu le chercher, lui et son caméraman. Puis on lui a dit, monsieur, il faut vous en aller, il faut sortir. Il a même cru se retrouver au poste de police. Et donc, eh bien, Robert Herbin n'a pas pu se fier à ces images, et ça lui a peut-être manqué cruellement. En attendant, une anecdote qui en dit long sur cette partie et la physionomie de cette partie. Les Verts donc un peu frustrés, vexés même, de ne pas avoir eu accès à ce stade. C'était l'Ajax contre le PSV Eindhoven. Attention à cette tête, pas de problème pour les défenseurs stéphanois. Petite baisse de régime en ce moment du côté de la Saint-Etienne. Ils avaient commencé ce match très très fort. Ils ont aussi besoin de se rassurer, parce qu'en championnat, récemment, ils ont pris 3-0 à Marcel Saupin. Oui, Dominique Rocheteau qui est passé là à côté droit. Rocheteau avec ses dribbles chaloupés de Rocheteau qui peut centrer. C'est bien fait dans la surface avec ce décalage d'avant pour Larquet. Oh, Larquet qui ne peut pas reprendre le ballon. Que c'était dangereux là, c'était Patrick Revelli qui avait trouvé Jean-Michel Larquet. Et il s'en est fallu de très très peu sur une poussée au début hein, de Dominique Rocheteau. On compte évidemment beaucoup sur l'ange vert. Il n'a que 21 ans, Dominique Rocheteau. L'une des grandes stars futures hein, du football français. C'est bien reparti avec Larquet toujours. Il peut projeter. Il attend du soutien, c'est fait. Petit décalage avec peut-être cette frappe qui va passer au-dessus. C'est bien tenté en tout cas. Frappe de Christian Sinagel. Et les supporters stéphanois qui sentent de nouveau et qu'il faut encourager cette équipe. Ça s'annonce très très dur.
pour les Verts, mais évidemment aussi très dur face aux Néerlandais. Intervention de l'arbitre. Allez, Lopez pour tirer ce coup franc. Voilà, c'est fait. Au ballon, dévié. On prend deux fois avec. Il y avait Van de Kerkhove qui était pas loin. On prend des risques côté néerlandais. Rocheteau qui était presque passé, coup franc. Absolument. Superbe crochet. On va revoir son ralenti de Dominique Rocheteau. Regardez, il était passé. Hop là, il emmène bien son ballon. Et il est légèrement touché et déséquilibré. Coup franc mérité. Et nouveau coup franc, mais cette fois-ci, il est encore mieux placé que les deux fois précédentes. Amélie qui vient un peu nouvelle. Savoir qui tire ce coup franc. Je pense que l'arquet hein, va prendre ses responsabilités. En tout cas, ils sont tous les deux face au ballon. Réveli, l'arquet, le mur à distance, c'est l'arquet qui va tirer, c'est passé, but ! Ouverture du score pour les Verts, et Jean-Michel Larquet sur ce coup franc, comme contre le Dynamo de Kiev, et bien il ouvre le score. On ne peut pas dire contre le cours du jeu, parce que Saint-Etienne faisait au moins un jeu égal, et regardez la rage de vaincre du capitaine stéphanois. Il a bien compris l'importance de ce but pour débloquer la situation. Et bien les Verts mènent 1-0, et Van Beveren ne voit pas le ballon sortir. Il arrive à mettre une petite claquette insuffisante. Et ce ballon qui rentre dans les buts, Saint-Etienne mène 1-0. Van de Kerkhove avec Stevens. Ballon récupéré par Parizon qui est sorti. Réveli dans retour de Van de Kerkhove. C'est récupéré par Sinégel. Lopez. Allez, Lopez loin devant, côté droit, il n'y a plus personne, si ce n'est Réveli, Rocheteau, qui est... non c'est Jean Vion qui est arrivé un peu en retard. Superbe ouverture là-bas côté gauche, attention, ça peut être dangereux, à la lutte pour se dégager ce ballon, ce sera finalement un corner. Superbe retour de Battenay. Pour éviter le centre de Dalquist qui était monté. Et là on chante déjà, c'était peut-être un peu tôt, hein, les Verts à Glasgow. Puisque la grande finale de cette Coupe d'Europe, ça n'a pas échappé évidemment aux supporters stéphanois. La sortie de Kurkovic, c'est bien. Et bien se jouera le 12 mai à Glasgow dans l'antre de Lanfden Park. Peut-être un peu prématuré puisque on en est qu'au match aller et surtout on ne joue que la première période. Et surtout que dans l'autre demi-finale, on retrouve toujours le Bayern de Munich qui reste quand même sur eh bien, 2 victoires dans cette compétition d'affilée. Le Bayern qui règne en maître sur cette Coupe d'Europe. Mais attention parce que et le PSV et Saint-Etienne eh bien, sont vraiment des adversaires. Redoutable avec cette nouvelle montée là-bas. Van der Kuylen tout seul, Van der Kuylen qui ne passera pas, il en fait un peu trop et c'est récupéré par Larquet qui nous fait admirer sa technique. Larquet, ballon au centre, accélération de Piazza dans la surface de réparation, petite mésentente avec Krigla qui peut finalement dégager son camp, c'est bien fait. Montée de Jean Vion, le ballon est contré. Et l'arbitre avait sifflé. Grosse première mi-temps de Gérard Jordan qui de temps en temps retrouve René Van de Kerkhove, hein, qui se balade vraiment sur le front de l'attaque. Il permute sans cesse. Ballon de Hedstrom dans la surface. Pas de problème pour Lopez. Le contrôle de Rocheteau. Pressing du PSV alors qu'il y a un joueur stéphanois qui est à terre. Il a pris le ballon en pleine figure. Il me semble que c'est Sinégel. Ah, il a l'air complètement KO. Rocheteau ne l'a pas vu sûrement. Le jeu qui continue de Rocheteau. Insaisissable. Rocheteau qui est passé en force. Peut-être. Oui, il a toujours la maîtrise du ballon. Il peut donner là-bas.
Oh, il y avait beaucoup à jouer, ne se sont pas compris les Stéphanois. Peut-être avec ce centre. Et le danger va être écarté. Et toujours incroyable, René Van de Kerkhoff. C'est lui qui est redescendu chercher ce ballon. On comprend un peu mieux pourquoi il est déjà international. Alors l'arbitre intervient, c'est bien Sinagel qui a été complètement sonné. Il a dû prendre ce ballon en pleine figure. Christian Sinagel, international, comme tous les joueurs qui jouent ce soir sur le terrain. Tous les Français, ce sont des internationaux. C'est le cas évidemment de Osvaldo Piazza, d'Ivan Kurkovic. Même s'il y a quelques jours, eh bien la France qui est éliminée hein, du championnat d'Europe, qui aura lieu eh bien, au mois de juin prochain, ce sera en Yougoslavie. La France est éliminée et il y a quelques jours, elle a joué contre l'un des grands favoris hein, du championnat d'Europe à venir, c'est la Tchécoslovaquie. 2-2, sans les Verts. Il n'y avait pas un seul Stéphanois dans cette équipe, vous doutez et vous comprenez pourquoi. Avant ce match importantissime pour la France du football, parce que là il n'y a plus de supporters, on n'est pas de Marseille, de Sochaux, de Nice, de Nantes, on est vert avant tout ce soir pour encourager cette équipe de Saint-Etienne. Maintenant, directement sur Van de Kerkhoff, ouais, préféré donner au centre ce ballon avec Van der Quillen, un peu écarté, Drey. Faire des solutions directement dans la surface avec le grand Ekström, le Suédois qui avait surgi sans danger pour Ivan Kurkovic. Un petit peu dégagé, la tension est un petit peu retombée avec cette ouverture du score. Mais pour l'instant, bien les Verts maîtrisent plutôt bien ces 20 premières minutes. Dahlqvist en relais avec Pourvlit. Long ballon. Attention à Kurkovic qui est sorti, qui s'est gêné avec son défenseur et qui a réussi quand même à toucher ce ballon. C'est passé. Pied en l'air, ouais, absolument. Même s'il n'est pas content, Drey avait pied en l'air, absolument. Allez, c'est Batney qui va jouer pour Piazza. Côté gauche. Non, le ballon était pour Dominique Rocheteau qui avait permuté lui aussi. Allez, ce sera un corner pour Saint-Etienne. L'occasion de se montrer dangereux encore une fois sur un coup de pied arrêté. C'est chaud derrière les buts de Van Beveren, là du côté des supporters stéphanois. Prêt à bondir et à s'agripper au grillage avec ce corner deuxième poteau. Van Beveren qui arrive à toucher ce ballon de la main et à le dévier. On a deux grands gardiens sur le terrain. Van Beveren d'un côté, Kurkovic de l'autre. Nouvelle montée, frappe de Lopez, c'est dévié. Et quand je vous disais que Van Beveren était un super gardien, il est en train de nous le prouver sur cette frappe qui va être déviée par un Stéphanois. Eh bien, il est pris à contre-pied, mais il arrive à revenir pour prendre ce ballon à l'horizontale complet. Et il évite le pire au PSV, toujours 1-0 pour les Verts. Stevens. Ça ne s'affole pas en tout cas, hein. Côté néerlandais, le ballon circule bien avec Krieg. Dans la surface, c'était pour Van der Quillen. Et Eindhoven obtiendra un corner. Le voici le maître à jouer de cette équipe. Alors attention au marquage, évidemment les fermes de Kerkhoff. Bon ballon.
Jean Vion qui repousse le danger. Frappe de Van der Kulen. Non, pas de problème. Attention tout de même, c'était cadré. Il n'y a vraiment pas de souci pour les Verts. L'arbitre, de toute façon, avait sifflé. Sinégal qui remet derrière. Oh, attention, plein champ. Ballon dangereux, dégagé par Lopez. On joue un peu avec le feu, là, côté stéphanois. Avec des ballons perdus facilement. Superbe tacle. Et ballon récupéré. Même si on en fait un peu de trop, là. L'équipe euphorique après cette ouverture du score. Les Verts qui, l'an passé, pour la demi-finale de Coupe d'Europe contre le Bayern, n'avaient pas réussi à marquer sur leur terrain. Ils avaient fait match nul 0-0 avant de s'incliner à Munich 2-0. Attention à ce ballon-là dans la surface de réparation, mais aucune chance pour Dahlqvist de se retourner. Larquet, extérieur pied droit, c'est magnifique. Avec cette longue chevauchée de Piazza qui est monté. Piazza qui veut donner côté droit, qui continue la surface de réparation. Piazza qui peut centrer, deuxième poteau. Bon, c'était bien fait avec le ballon mis en retrait par Revelli. Quelle chevauchée d'Osvaldo Piazza. Et les Verts savent se montrer dangereux pour l'instant. C'est eux qui dominent cette partie. Et c'est fort logiquement qu'ils mènent à 1-0. Encore un ballon intéressant avec Larquet qui écarte. Ouais, c'est passé pour Patrick Revelli. Peut-être un dribble de trop pour Revelli. Van de Kerkhoff. Elle a mis dans le vent Larquet face maintenant à Sinagel. Lui aussi. Une touche de trop et il perd ce ballon. Larquet. Allez, Larquet. Ouais, qui va garder ce ballon avec un peu de réussite. Plein champ de Jean-Michel Larquet qui va peut-être frapper. Voilà, c'est fait, c'est contré. On sent que c'est Drey hein, qui s'est sacrifié sur, sur cette frappe. Dahlqvist qui joue rapidement. Allez, côté gauche avec Edström. Qui attend des solutions. Dans la surface de réparation, c'était un peu trop fort. Et Stéphanois qui réclamait un hors-jeu. Mal contrôlé. On a du mal à temporiser côté stéphanois et à mettre un peu le pied sur le ballon comme on dit. Crocheteau. Allez. Avec un petit pont. Demi-Crocheteau qui va centrer. Non, directement sur le gardien de but néerlandais Van Beveren. Van der Kulen. Pour Stevens. Van der Kulen de nouveau. Edström, c'est bien fait. Avec non, cette frappe qui était peut-être une tentative de lob. On ne saura jamais. De la part du défenseur Drey. Allez, Kurkovic. Voilà, qui prend son temps, c'est bien. Ça va permettre aux Verts de respirer. Car le début de match a été terrible d'intensité. Allez, le gardien yougoslave qui dégage loin devant avec ce ballon dans l'entrejeu. Piazza qui encore une fois est monté, qui cherche le 1-2, grosse faute. À une vingtaine de mètres des buts et c'est bien arbitré. Et encore un coup franc dangereux. Alors, Van Beveren a été averti et regardez-le placer son mur, il est très très énervé, il a compris tout à l'heure. Pratiquement dans la même position que tout à l'heure sur le premier but. Dans l'axe, c'est les coups francs les plus dangereux. Il y a 7 hommes dans le mur. Cette fois-ci, on a changé de combinaison et ce sera un corner. C'était bien fait entre Larquet et Battenay. Allez, on le voit, hein, l'image de ce jeune international Dominique Battenay. Il a 24 ans, international depuis l'automne dernier. Lors du même match hein, que Gérard Janvion. Ils ont été appelés par Puskas. Long ballon dans la surface de réparation. Coup de tête. Un peu de cafouillage et finalement on s'en sort du côté du PSV. Ballon remis à la surface de réparation. Pas de problème pour Van Beveren.
très grand, très fin, très bon. Qui relance pour Willy Van de Kerkhoff. Pressing stéphanois. Et ce ballon mis en trait sous les acclamations du public de Geoffroy Guichard. Un public qui a un rôle important à jouer. Les Stéphanois qui ne seront pas déçus lorsqu'il faudra aller à Eindhoven le 14 avril prochain. Et si possible avec un score assez large. Ander Kuylen qui fait mine de frapper, qui allait chercher un partenaire, c'était un peu téléphoné. Et retour devant de Kerkhoff pour prendre ce ballon. Et voilà, on va écarter, on va remettre à Willy Van de Kerkhoff. Dans la surface, tout cela est un peu stéréotypé. Larquet, superbe geste technique. Fin technicien, Jean-Michel Larquet, qui lui a déjà 11 sélections en équipe de France. Il a 28 ans. Le prochain match de l'équipe de France, eh bien, ce sera contre la Pologne dans une dizaine de jours. Match amical, hein, puisque les Français, on vous l'a dit, sont éliminés du championnat d'Europe. Ils étaient dans un groupe avec l'Islande, la RDA et la Belgique. Eh bien, n'ont pas réussi à s'imposer. C'est finalement les Belges, hein, qui se sont qualifiés. Alors que les Pays-Bas ont été dans un groupe autrement plus difficile avec la Pologne, l'Italie et la Finlande. Et les Polonais ont eu le même nombre de points. Mais finalement, eh bien, René Van de Kerkhoff et toute la clique géniale de cette génération néerlandaise qui est vraiment fantastique, eh bien, se sont qualifiés. Ils seront très très dangereux. Attention avec cette frappe directement sur Kurkovic. N'a pas réussi à s'appuyer, à frapper ce ballon correctement. Il me semble quand même que c'était Ekström dans la surface de réparation. Et en tout cas, Saint-Etienne qui ne ferme pas le jeu à 1-0. Il continue eh bien, à jouer le coup à fond pour essayer de marquer un deuxième but. Je pense que Robert Herbin va être même très clair à la mi-temps. Essayer de ne pas en prendre et d'en marquer un deuxième avant de voyager aux Pays-Bas, ce serait vraiment idéal, idéal. Qui ont réussi à renverser la vapeur, c'était contre le Dynamo de Kiev après s'être incliné 2-0 là-bas en Ukraine. Et bien sur ce même terrain, ils se sont imposés 3-0 dans la prolongation, dans un match vraiment vraiment fantastique. Dynamo de Kiev, d'Oleg Blokhin qui vient d'être nommé Ballon d'Or il y a quelques mois. Là aussi c'était difficile. C'est un match qui faisait peur à Gérard Janvion, qui l'avait dans sa partie de terrain. Il a souffert à l'aller, mais au match retour, eh bien, le Martiniquais a été royal. Allez, on revient à cette demi-finale, match aller de la Coupe d'Europe contre le PSV Eindhoven. Deuxième demi-finale de suite pour les Verts. Et d'ailleurs, ça leur servira sûrement lors de cette rencontre, c'est ce que disait Robert Herbin, pour mieux appréhender ce match. Et il est solide, hein. René Van de Kerkhoff, vous pouvez y aller. Il tient debout et c'est même lui qui va récupérer ce ballon. Oh, attention, c'est contré avec Lopez là qui a mal dégagé ce ballon. Van de Kerkhoff qui file la surface de réparation, qui crochette. Superbe intervention de Jean-Michel Larquet qui était redescendu pour tacler ce ballon et pour aider ses défenseurs après petite mésaventure arrivée à Christian Lopez. Battenay. Dans l'intervalle, voilà, il faut se retourner, voilà qui est fait, c'est bien fait dans la surface de réparation, ce ballon trop poussé par Battenay. Et toujours autant d'envie, de cœur. La passion est là également du côté stéphanois, une équipe qui passionne ses supporters et la France entière. Et le duo
Roger Rocher, Robert Arbin. Duo emblématique maintenant, parce que Robert Arbin, Stéphanois, plus Stéphanois que lui, c'est pas possible. Lui qui a gagné 6 fois le championnat de France en tant que joueur. En tant que joueur. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que l'entraîneur du PSV, qui est Kees Rijvers, qui lui, eh bien, a gagné le premier titre en tant que joueur avec Saint-Étienne. C'était en 1957. Il a joué avec Robert Arbin. C'était l'époque des Mekloufi, Njolea. Et donc Rijvers devant, qui était une triplette d'attaquants fantastique. Et donc, eh bien, on peut penser qu'il connaît très très bien cette équipe de Saint-Étienne. Il a un peu confondu vitesse et précipitation. Batney, il a oublié ce ballon. Attention à la contre-attaque avec Stevens qui laisse ce ballon là-bas pour Dre. On va chercher le grand Estrom. C'est un peu stéréotypé, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que les Néerlandais sont assez décevants dans cette première période. Ils comptent essentiellement sur un exploit soit de Estrom, on n'a pratiquement pas vu le Suédois en cette première période, soit devant de Kerkhoff, et c'est plus probable parce qu'il est en grande grande forme, l'international néerlandais. Allez, on va repasser par derrière avec Lopez. Larquet qui manque un peu sa passe, arrive directement sur un de ses camarades. Ça s'appelle de la réussite, c'est passé. Bon ballon, peut-être avec un coup de tête, finalement c'est dégagé par Dre. Et pour Dahlqvist. Loin devant. Sortie impeccable de Piazza, c'est bien fait, touche de balle, il n'y a pas de hors-jeu avec Révelli dans la surface de réparation. Rocheteau est au centre, Révelli qui veut frapper finalement, et le ballon repoussé. Quelle occasion là pour les Stéphanois, avec, on va revoir tout ça ralenti, la folle chevauchée de Révelli. Et finalement, quel arrêt encore une fois de Van Beveren là. Pensez à un moment donné que c'était le poteau qui avait renvoyé ce ballon, mais non, c'est Beveren et une main très ferme qui a repoussé ce ballon. Et en ce moment, c'est Van Beveren, eh bien, qui permet aux Néerlandais d'espérer, parce que l'équipe du PSV est ballottée, malmenée. Bon, attention, c'est passé, Janvion, pas de faute dans la surface. Et ce sera un dégagement au 6 mètres. Impeccable Gérard Janvion, 22 ans seulement. Jeune génération, hein, qui est arrivé avec Robert Herbin en 72. Qui a succédé à Albert Batteux. C'est là que plein de joueurs sont arrivés. Kurkovic, Piazza, Janvion Lopez, Sinagel, Santini, Repellini, Mercadier, Saramagna. Et le plus jeune des frères Révelli. C'est là qu'est né, on ne peut pas parler de légende, mais c'est vrai que depuis 1959, eh bien on attend de nouveau qu'un club français aille en finale d'une Coupe d'Europe. Et on n'en a pas souvent l'occasion. La raison pour laquelle toute la France espère, parce que au niveau international, l'équipe de France est vraiment, vraiment en difficulté. Elle n'obtient pas de bons résultats. Alors on compte sur les Verts pour redonner du beau au cœur à tous ses supporters. Rocheteau, c'est bien fait. Avec cette montée, non, c'est pas compris. Ballon dans la surface, attention au pressing d'Hervé Révelli. Pas de problème pour Stevens. Estrom de la tête qui remet en retrait. On va chercher Van de Kerkhoff qui donne à son frère. Ce sont des frères jumeaux. Les Van de Kerkhoff qui a levé la tête, qui va aller provoquer dans la surface de réparation. Bon tacle de Farizon qui met juste à côté. Et René Van de Kerkhoff qui réclamait un corner, vous voyez. Pas content du tout. Il ne se sera pas économisé, René Van de Kerkhoff, en cette première période. Attention, il est un peu seul. Petite faute signalée par l'arbitre de touche, c'est bien. Il faut dire qu'il était bien placé. Et avec Sinagel, on joue rapidement. Piazza. Piazza qui a pris un coup. Ouais, il a pris un coup, Osvaldo Piazza. Et l'arbitre qui laisse l'avantage. C'est contré. Maintenant, il faut revenir. À la sortie de Batney, intraitable. Et on remarque hein, que quand
l'un des deux centraux derrière monte, c'est-à-dire Piazza ou Lopez, et bien chaque fois, il y a soit Larquet, soit Battenay pour revenir, voire même Sinagel. On l'a dit, grosse solidarité dans cette équipe de Saint-Etienne. Il y a vraiment un esprit d'équipe formidable. Bon ballon, c'est récupéré, Lopez. Intervention de Dekkers, voilà, qui va pouvoir donner son camarade. Un peu bousculé Dahlqvist. Avec Stevens, là, qui va se battre pour récupérer ce ballon. L'arbitre qui laisse l'avantage, pas de faute, si, quand même, coup de sifflet. Ce qui va permettre à tout le monde de respirer alors qu'on approche la fin de cette première période. Et qu'on sent que de l'autre côté aussi, hein, du côté des Verts, on a besoin de... Eh bien, de rejoindre les vestiaires. Ça va bientôt arriver. Et de reprendre son souffle et ses esprits après vraiment une première période terrible. Van der Kuylen qui frappe complètement à côté. Mais à part une ou deux frayeurs, notamment au début de match, les Verts ont complètement maîtrisé cette première mi-temps avec ce coup franc magique de Jean-Michel Larquet qui a ouvert le score. Kurkovic, loin devant, Rocheteau de la tête. Et la sortie de Pourvlit. Il est derrière. On va faire circuler ce ballon pour Krieg. Willy Van de Kerkhoff. On a beaucoup moins vu que son frère Krieg. Ça circule bien en ce moment du côté du PSV. Faire des solutions, c'est pas évident. De nouveau Krieg qui est monté, peut-être une occasion de frapper encore une fois. C'est super bien défendu de la part de Larquet qui est revenu mettre le pied. Sinagel, Larquet, gros travail défensif avec Van de Kerkhoff qui est monté. Attention, 1-2. Van der Kuylen qui peut écarter là-bas. Il y a danger dans la surface de réparation. Le centre en retrait, il n'y a personne si ce n'est des Verts. Et ça repart avec Larquet, peut-être une bonne occasion. Rocheteau hein, qui va attendre le retour de cet équipier long transversal. Pas ce qu'il voulait faire là, Dominique Rocheteau. Mettre ce ballon à terre, voilà c'est fait. Avec l'accélération de Stevens. L'équipe du PSV sûrement surprise par l'engagement physique des Stéphanois. Drey qui peut centrer directement sur Kurkovic. Il y a eu beaucoup d'imprécisions de la sorte en première période du côté du PSV. Kees Rijsdijkers va devoir recadrer tout cela à la mi-temps. Et c'est dans quelques instants. Kurkovic qui est évidemment le seul Stéphanois à avoir assisté à une finale de Coupe d'Europe. C'était il y a 10 ans avec le Partizan de Belgrade. C'était contre la grande équipe du Real Madrid, équipe de 66, mais il n'était remplaçant, il n'avait pas joué, et il dit d'ailleurs que c'est son plus mauvais souvenir, Kurkovic. C'était déjà la sixième Coupe d'Europe des clubs champions pour le Real Madrid. Peut-être une dernière occasion là-bas pour les Verts, ça va pousser avec ce centre dans la surface de réparation, on est devant les buts, devant de Beveren, et ce ballon qui ne sort pas, ce sera une touche pour les Verts. C'est bien battu, Revelli. Sinagel, ouais, c'est passé avec ce long centre, deuxième poteau, pourquoi pas. Rocheteau avait armé sa reprise de volée et on peut se dégager du côté du PSV. Attention, les Verts étaient montés très haut, la déviation, faut pas se gêner. Van de Kerkhoff tente des gestes très difficiles, mais le ballon est toujours dans les pieds des Néerlandais avec l'autre Van de Kerkhoff, René. Il centre encore une fois, Kurkovic des deux mains. Ah, c'est dans ce domaine qu'il est fort, Ivan Kurkovic, pour rassurer sa défense et son équipe. Rocheteau, il est tenu, Rocheteau. Et il va obtenir un coup franc encore une fois, très très dangereux, insaisissable, Dominique Rocheteau. Avec Cédric qui rend complètement fou les défenses adverses. On en a déjà
un bon exemple dans le championnat de France. Regardez, il est pris de vitesse, c'est sûr. Et bien, il y a d'autres moyens, Stevens, que de le tenir. C'est évidemment irrégulier. Alors, coup franc avec l'arquet. Là, c'est une distance plus conforme pour Dominique Battenet. Petit décalage sûrement. Battenet qui frappe directement sur Van Beveren. Ah, il a eu pas mal de travail, hein, le gardien néerlandais. Il aura fait vraiment une très grosse première période. Heureusement pour le PSV qui pourrait être mené de 2 voire 3 buts depuis le début de ce match. Et pour l'instant, c'est un moindre mal. Le score est de 1-0. Allez, l'une des dernières montées sans doute. Oh, quel choc là. Avec Willy Van de Kerkhoff qui écarte là-bas pour Dahlquist. Qui va attendre ses coéquipiers, il n'y a pas grand monde devant. Dahlquist s'est dégagé. Van de Kerkhoff. Il va peut-être y aller seul, il est attendu évidemment. De Kerkhoff, il est rapide, il est passé. Voilà la sortie d'Ivan Kurkovic en deux temps. Qui peut se saisir de ce ballon. Et le regard du grand Van de Kerkhoff en direction de Kurkovic, un peu désabusé, il faut l'avouer. Allez, la chevauchée de Janvion. Et c'est la fin de cette première période. Saint-Etienne mène 1-0. Bonne performance des Verts en première période. Allez, c'est parti donc pour cette deuxième période. On en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Robert Herbin, l'entraîneur des Verts. 37 ans hier. Devinez le cadeau qui lui ferait plaisir, évidemment. Il a dû féliciter ses joueurs pour cette première période, mais surtout les mettre en garde, parce qu'on connaît cette équipe du PSV qui en quart de finale avait été battue à l'aller 2-0 face à Split avant de gagner, comme Saint-Etienne 3-0 donc au match retour, eux aussi ils l'ont fait face à une équipe, c'est vrai, de moindre renommée, mais quand même il fallait le faire. Cette équipe a énormément de ressources. Saint-Etienne qui, au niveau national, hein, domine le championnat de France avec 2 titres de champion consécutivement, 2 Coupes de France, ça c'est plus rare. Et cette saison, eh bien, à la lutte devant avec Nice, Sochaux et le Nantes de José Arribas. C'est les principaux concurrents de la SSE. Alors que le speaker est en train d'annoncer un changement côté PSV avec la rentrée de Luxé et la sortie de Dahlquist. C'est vrai que l'on a très peu vu. Jean-Vaux qui perd ce ballon pour Van der Kuylen. Pas de problème pour Lopez. Battenet. Cherche des solutions, Dominique Battenet. Va mettre côté gauche. Un centre finalement repoussé, pas pour longtemps, s'il y avait a priori une position de hors-jeu. Alors, 2 solutions, hein. Soit on essaye de tenir ce résultat, mais ce serait étonnant du côté de Robert Herbin, ou alors eh bien, on fait tout ce qu'on peut pour marquer un autre but. Faire exploser cette équipe du PSV qui a l'air quand même très très solide. Van der Kuylen qui remet à Dekkers pour Vliet. Non, et intervention d'un Stéphanois. Farison. Ballon perdu. Le défenseur Stéphanois qui se bat. Ouais, qui a le contre-favorable, qui peut lancer la contre-attaque. Il faut se mettre dans le bon sens. Ouais, et faute de Hedström. Ah, le grand suédois qui a l'air très très frustré. On n'a pas vu à l'œuvre. Il y a eu une occasion au tout début de match, mais depuis, eh bien, rien du tout. Mais attention, parce que c'est un vrai buteur. Il n'en faudra pas 50. Sinagel pour Piazza. Rocheteau, il est passé Rocheteau avec cette petite accélération foudroyante. Le centre, ballon dégagé directement pour Beveren qui met en corner.
quelle accélération encore une fois de Dominique Rocheteau là à côté droit. L'Ange Vert a fait encore une fois la différence. À Saint-Etienne depuis 4 ans, il y vit. Et depuis 2 saisons dans cette équipe, même si l'année dernière il n'a fait que 4 matchs. François, cette tête, il était monté très très haut. Sans danger pour Van Beveren. Qui va dégager ce ballon. Allez, Lopez. Directement en touche, prend pas de risque, évidemment. Avec Van der Quillen. Parler de cette génération néerlandaise. Fantastique, hein, les Diskens. Attention à ce. On a tenté un grand pont. Du côté de Dekker, c'était très difficile. Donc, génération dorée, hein, vraiment. Avec Van Aanegem, Kroll, Rep, Johan Cruyff. Qui a terminé troisième au ballon d'or derrière Blokin et Beckenbauer, ce qui n'est pas rien. Rezenbrick, entraîné par Rinus Michels. C'est vrai qu'il faudra compter sur cette équipe lors du prochain championnat d'Europe. Si on vous l'a dit, se déroulera à Belgrade. Tout à côté bien de l'ancien club d'Ivan Kurkovic. Ballon perdu par Batner, récupéré par Van der Quillen. On essaye d'accélérer le jeu. Van de Kerkhoff. Avec Edstrom qui était redescendu. Stevens. Et c'est là que ça se complique hein, pour les Néerlandais. On ne trouve pas de solution pour Vliet. Plein champ, il faut la donner. Ah, il est passé, beau geste technique. Et derrière, on est très très vigilant. Vous voyez, Jean-Vion qui repousse ce ballon. Edstrom peut-être. Qui peut centrer, c'est bien fait. Pas de problème pour Kurkovic. Allez, qui peut dégager loin, loin devant. Une action quand même caractéristique hein, des difficultés qu'éprouvent les joueurs du PSV à se montrer dangereux. Et l'Arkec joue rapidement pour Rocheteau qui va les provoquer. Dominique Rocheteau, il est passé cette fois-ci intérieur. Et il faut deux joueurs néerlandais eh bien, pour s'en sortir. Et un troisième finalement, Willy Van de Kerkhoff. Ah, quand il a un peu de champ, Dominique Rocheteau, il est exceptionnel. Edstrom. Van der Quillen, long ballon là-bas pour Dekkers. Ça ne passera pas. Farison à terre, on continue l'avantage avec Sinagel. Reveli, non qui ne passera pas. Ouais c'est passé, c'est bien. Il y avait d'ailleurs une petite faute de René Van de Kerkhoff. On va changer de côté. Avec Piazza, l'Argentin qui lève la tête. L'en bas dans la surface de réparation, ça peut être dangereux. Repousser personne au 16 mètres pour reprendre ce ballon. On accélère avec Van der Quillen qui est passé. Deux Stéphanois. Ouais, mais là, il n'y a plus personne. C'est là que ça se complique. Longue transversale également. Ouais, un bel aveu d'impuissance hein, pour l'instant. Les Stéphanois qui tiennent cette rencontre. Sinagel. Allez, c'est le moment choisi par ses supporters pour en mettre un coup. Deuxième homme très très important dans ce genre de partie. Oh, Piazza qui était passé, déséquilibré par Van der Quillen. Et l'arbitre qui se fait respecter. On va prendre son temps du côté des Verts pour jouer ce coup franc, toujours avec l'Arquet. Batman ne doit pas être très loin. Il file dans la surface de réparation, coup franc indirect. Voilà, non, ballon. Et danger repoussé. Van der Quillen qui manque son contrôle, mais finalement, il garde la maîtrise de ce ballon. Ouais, c'est mal dégagé. Et ce sera finalement un corner obtenu par Patrick Reveli. On joue rapidement,
avec Rocheteau, la surface de réparation qui peut s'entrer. Si bien fait la frappe contrée. Oh, c'était dangereux cette combinaison stéphanoise. On est allé très très vite. Oh, il y a du hors-jeu. Il y a du hors-jeu. Et notamment Dominique Rocheteau. Mais quelle alerte là devant les buts de Van Beveren. Allez, c'est relancé par Dijkers. Que voici. On n'arrive pas à progresser. Pressing très haut de la part de Stéphanois. Van Beveren loin devant. Donner un peu d'air à ses coéquipiers. Et même Echtrom n'arrive pas à prendre le dessus sur l'Argentin. Étonnant de lucidité et de facilité Osvaldo Piazza. Bon, ça sera une touche, pas de faute donc sur Piazza qui réclamait l'intervention de l'arbitre Lopez pour Batney. Piazza. Loin devant. Rocheteau, il a encore passé le but. Rocheteau côté droit. Quelle accélération. Il peut centrer. Oh, c'est bien fait. Quelle occasion des Stéphanois. C'est pas fini peut-être avec Janvion. Et le ballon. Et le danger est repoussé. Nouvelle alerte devant les buts de Van Beveren. Mais décidément, Dominique Rocheteau, il fait un malheur ce soir encore. Ah, c'est un joueur qui s'est révélé l'année dernière, qui a connu même sa première sélection en équipe de France l'an passé, avec appelé par Stéphane Kovacs, première sélection, c'était à Nantes. Petit clin d'œil du destin, on connaît la rivalité entre Nantes et Saint-Etienne, le 3 septembre dernier, pour un France-Islande. Les Français s'étaient imposés 3-0, et il avait fait donc ses grands débuts. Attention quand même à ce ballon arrêté par Kurkovic, mais ce sera quand même un corner. Il a suivi de très près, tiré par Van der Kuylen. On est monté nombreux côté PSV parce qu'on n'arrive pas à être dangereux dans le jeu. Peut-être sur coup de pied arrêté. Il est grand Ekstrom, mais il ne prend pas beaucoup de ballons de la tête. Van der Kerkhoff. Il est passé. De Kerkhoff encore. Il est passé. C'est bien fait avec ce centre deuxième poteau. Pas de problème pour Kurkovic. Et Echtrom, pas content encore une fois qu'il a réclamé ce ballon. Mais De Kerkhoff avait déjà fait un bel exploit. Son frère, Willy. Non, qui ne passe pas. Et qui lui a quand même un peu moins de facilité que le grand René. Grosse faute là sur Sinagel. Et Piazza qui vient gagner un peu de temps avec l'arquet. On joue vite. Et toujours 1-0. Attention à ce tac, pas de grosse faute. Stéphano a besoin de terminer ce match à 11 évidemment. Sinagel, oui, intelligent qui va obtenir cette touche. Président Rocher qui parlait après la qualification des Verts en demi-finale d'un jour historique. Imaginez que Saint-Etienne aille en finale le 12 mai prochain. Et pourquoi pas retrouver le Bayern pour une revanche de la demi-finale passée. Ce serait fantastique peut-être avec ce ballon récupéré. Cherche des solutions, point d'appui avec Rocheteau en retrait, c'est bien fait. Moi, c'était pour... Révelli qui n'arrivera pas à se retourner. Le ballon est dégagé, mais pas pour longtemps. Janvion pour Piazza. Piazza loin devant. Non, tête plongeante. Et vous voyez, on se parle beaucoup là entre Révelli et Rocheteau. Ah, le match est très très dur physiquement. Est-ce que les Verts vont tenir ce rythme imposé par le PSV? C'est tout le pari de cette seconde période. Van der Kuylen qui va frapper, il est bien placé. Van der Kuylen, oh, quelle frappe! Heureusement, Lopez s'est sacrifié, comme on dit.
une touche. On joue vite encore une fois la surface de réparation avec ce centre de Stevens. Attention là, petit flottement dans la défense stéphanoise avec Dakers. Ballon contré. Oh, deuxième poteau, ça peut être dangereux là-bas avec cette frappe. Kurkovic est battu. Et le ballon qui va passer devant les buts du gardien yougoslave. On l'a senti. On l'a senti là, cette petite période de flottement. Un peu moins de vigilance derrière. Et tout de suite, les Néerlandais qui se montrent un peu plus dangereux. Van der Kuylen, comme par enchantement, touche beaucoup plus de ballons. Dakers, Edstrom. Ouais, c'est bien fait, il est un peu seul, Dakers. Et d'ailleurs, il se fait piquer le ballon par Janvier. Piazza devant. Non, pour personne. Attention. Adrel là, qui a pris quelques risques directement sur Van Beveren. Les Verts hein, qui, pour se qualifier, ont battu en 16e le KB Copenhague. Et ensuite, ils ont battu les Glasgow Rangers. C'était d'ailleurs imposé là-bas. C'est pour ça qu'ils y retourneraient bien le 12 mai pour une nouvelle victoire. Première victoire d'un club français en Coupe d'Europe. Ça aurait quand même de la gueule. Après le Grand Reims de 59. Et enfin, demi-finale à Kiev, vous connaissez l'histoire. 2-0 battu à l'aller, 3-0 au match retour dans une ambiance indescriptible. Janvion qui dégage comme il peut. Ah, le combat physique est de plus en plus dur. Et ça souffre derrière avec Van de Kerkhoff qui centre. Mais ce ballon est contré in extremis par Lopez, relevé très sympathiquement par Edstrom. On le sent, Edstrom, il est frustré, le grand Suédois. Il n'arrive pas à se démarquer et à se créer de bonnes occasions. Mais les défenseurs stéphano, ils sont pour quelque chose. Le corner avec ce ballon qui va filer en touche. Et la touche devrait être stéphanoise. Voilà. De toute façon, elle est récupérée. Et on peut repartir de l'avant. Révelli. Qui était redescendu. Sinégal. Farison. Mais dans l'axe, c'est bien fait. Alors là, petite mésentente avec ce ballon contre, on ne sait jamais. Dans la surface de réparation, sauf qui peut. Côté néerlandais, Edstrom de la tête. Pour Van der Kuylen, c'est bien fait. Alors je joue dans un petit périmètre, il faut sortir ce ballon. Larquet, il voit clair, Larquet, il peut mettre côté gauche. Dominique Rocheteau, il va aller provoquer, c'est ce qu'on lui demande. Rocheteau était presque passé. Ah, pas chaque fois quand même, cette fois-ci, bon sauvetage de Willy Van de Kerkhoff. René, son frère. Vous l'aurez compris. Bon retour de Patrick Révelli. Voilà, qui va prendre ce ballon. Janvion. Van de Kerkhoff en force, mais ne passera pas la dernière muraille stéphanoise, en l'occurrence Lopez. Ouais, il y a faute, absolument. Faute sur Luxé, qui est rentré en deuxième période, que l'on a très peu vu pour l'instant. Allez, Van de Kerkhoff qui cherche des solutions. On sent que les deux équipes ont besoin de respirer. Pas de faute. Ah, il passe une sale soirée, Edstrom. Face à Piazza et Lopez. Il ne s'en sort pas. Et pourtant, il a quelques ballons dans la surface, hein, donné exclusivement par René Van de Kerkhoff. Mais il n'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Et de plus en plus frustré. Alors, le ballon n'est pas sorti. Avec Krieg là-bas, qui lui aussi en a fait un peu trop, mais va obtenir un coup franc. L'arbitre qui n'a pas laissé l'avantage. On joue vite quand même avec Révelli, qui va retrouver ce ballon. Révelli, qui peut mettre là-bas côté droit pour Janvion. Janvion, s'il décale, c'est dangereux. Le Martinique à la surface, qui frappe. Oh, c'était bien fait, Gérard Janvion. Un super petit décalage sur le côté droit. À lui qui est né à Fort-de-France,
C'est un peu moins chaud ce soir. Hein. Quoique là, les Stéphanois ont déjà bien réchauffé l'ambiance. Pour ce joueur, Gérard Janvion, qui fait une carrière exceptionnelle et il n'a que 22 ans. Avec Van de Kerkhoff, slam spécial de Van de Kerkhoff. Ah mais il n'y a plus personne et puis il est obligé de reculer. Le but, c'est quand même d'avancer avec la nouvelle percée. Attention, pas de faute dans la surface. Centre contré. Quel chevauché d'Audrey. Le défenseur du PSV qui n'hésite pas à monter, n'hésite plus à monter maintenant. Et Van der Kulen pour tirer ce corner. On va jouer à deux. Van der Kulen. Récupérer les Lakers. Attention, c'est contre. Parison qui montait très haut. Le ballon stéphanois. Oui, si on peut le donner la barre au Jeto. Il y avait une faute avant sur un joueur de Saint-Etienne. Absolument, on va revenir à cette faute. C'est bien arbitré. Faute sur Hervé Revelli. Deux fois meilleur buteur du championnat. Hervé Revelli. C'était en 67 et 70. Il y a deux ans, il avait terminé troisième meilleur buteur, toujours prêt à claquer son but. L'aîné des frères Revelli, qui lui aussi avait été sélectionné en équipe de France en fin des années 60, début 70. Et bien depuis, tous les verts y sont passés presque. C'est normal pour cette génération qui est montée en puissance avec... Et bien pour succéder à Batteux, Robert Herbin. Ballon devant encore une fois. Rocheteau. Non, n'est pas passé cette fois-ci. Il ne faut pas lui laisser d'espace à Dominique Rocheteau parce que sinon vous ne revoyez plus le ballon. Van der Kulen. C'est bien fait pour Van de Kerkhoff qui va arriver le premier face à Janvion. Van de Kerkhoff. La surface de réparation. Van de Kerkhoff qui peut remettre derrière. Ah, c'était téléphoné. C'était téléphoné, ça n'a pas échappé à Lopez. Cette petite talonnade, il aurait peut-être dû prendre sa chance. Le grand néerlandais, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher parce qu'il fait la différence, mais il ne frappe pas au bon moment. Un peu trop collectif. Stevens, face à l'arc, c'est sorti, bon pressing. De l'auteur du seul but de ce match pour l'instant, Jean-Michel Larquet. Ouais, c'est passé. C'est dur à se démarquer hein, de Willy Van de Kerkhoff qui accroche l'adversaire. Le centre avec cette bicyclette juste au-dessus. Quel geste d'Hervé Revelli. L'instinct du buteur. On va revoir ce ralenti avec plaisir parce que là le geste est magnifique. Regardez l'envolée. Ah, s'il monte un tout petit peu plus haut, eh bien le ballon redescend forcément plus bas. Ça c'est mathématique. Et là, on aurait assisté au but de l'année, sans aucun doute. Allez, les Verts. On pousse aussi dans les tribunes. Et cette deuxième période, toujours 1-0 but dans le premier quart d'heure. Fin de premier quart d'heure. Sur un coup franc, Jean-Michel Larquet. Regardez, Schroom. Pratiquement défenseur sur ce coup-là. Ballon devant, attention à Van de Kerkhoff, encore une fois, beaucoup trop seul. Janvion était monté, il va revenir à toutes enjambées. Il ne faut pas qu'il passe à Van de Kerkhoff. Insaisissable, il peut centrer un pointu là, mais ça n'a pas trompé. Kurkovic. Mais là, c'est difficile hein, pour Janvion qui, après Oleg Blokhin, c'est bien à faire à René Van de Kerkhoff. Rocheteau qui est passé, qui a récupéré ce ballon. Ouais, feinte de frappe, c'est bien fait du gauche cette fois-ci, mais il centre sur son partenaire et ce sera un dégagement au 6 mètres. Mais non, l'arbitre assistant qui donne un corner. Erreur d'arbitrage, attention, petite conséquence, on va voir si. Petit effet, on va voir si les conséquences sont énormes avec ce corner dans la surface, pas de problème pour Van Beveren. Relance avec Pedré. Stevens poursuit là-bas
côté droit. Donc Derkulen qui demande ce ballon. Plein champ, voilà, il va l'obtenir. 1-2, donc Derkulen. Écoutez un peu les cœurs verts qui poussent en ce moment. Ouais, belle intervention de Lopez. À ce stade, c'est une vraie cathédrale. On sent une passion, une ferveur incroyable. Le ballon est-il sorti? Oui, le ballon est sorti. Le dégagement en 6 mètres. Ouais, j'ai l'impression que Kurkovic a voulu jouer rapidement et... C'est l'archéobatné qui lui a dit calme-toi, tranquille. On mène 1-0, ça reste un bon score avant d'aller à Eindhoven. En demi-finale de Coupe d'Europe. Ils ont marqué ce but, c'est très important et surtout ne l'ont pas pris. Et là, sur cette fin de match, il va surtout s'agir de ne pas en prendre de but. Du côté de Kurkovic, Van der Kuylen toujours. Donc il revient sur lui-même, fin de frappe. Pousse un peu trop son ballon, il est pris. Rocheteau. Rocheteau qui peut écarter. Ouais, c'est passé, mais c'est un peu trop fort. Il fallait quand même jusqu'au bout, Farizon. Quelle santé. Quelle santé. Il a traversé tout le terrain pour aller prendre ce ballon. Les Verts qui sont au point physiquement. Avec Stevens. Ah, depuis le début du match, et bien c'est vrai que les Néerlandais n'ont pas eu beaucoup d'occasions de but. Ils se sont montrés dangereux deux fois de suite dès les premières minutes. Mais depuis, ils ont beaucoup de mal, non pas à s'approcher parce qu'ils y arrivent, notamment grâce à Van de Kerkhoff. Mais ils ont du mal après à concrétiser. Et voici, dans cette fois-ci, c'est Dekkers qui est passé côté gauche. Qui va arriver à centrer Dekkers. Kurkovic ne peut sortir. Ekström. Et j'ai l'impression que c'est un hors-jeu qui est signalé. Ouais, Van de Kerkhoff avait permuté d'être passé de l'autre côté. Larquet. Ouais, c'est passé. Sinagel qui a été accroché. Des mi-temps intelligentes de la part des Verts qui sont partis très fort dans ce match et qui d'ailleurs doivent jouer aussi avec leurs moyens parce que ça commence à devenir très très dur et ne se découvrent pas tactiquement. Et bien Robert Arbin est en train de remporter son match face à son ancien copain Keith Richvers qui est entraîneur du PSV depuis 4 ans maintenant. Des figures du club comme Herbin évidemment qui lui a fait toute sa carrière à Saint-Étienne. Dekkers donc transversal avec Krieg. Ouais, il est passé Krieg, attention, peut être dangereux. Nouvelle intervention, ballon en retrait. Et Batney qui donne de l'air à son équipe, pas pour longtemps, ça revient. Kadza de la tête. Quelle lutte au milieu de terrain. Rocheteau qui écarte. Avec Farizon qui peut centrer. Non, ballon dégagé. Peut-être pour Dominique Rocheteau. Non, qui ne contrôle pas ce ballon, c'est pas fini. Ah, Réveilly, il était un peu seul. Hervé Réveilly cherchait son frère, mais qui était beaucoup plus en pointe. Les deux hommes ne se sont pas trouvés. Van de Kerkhoff. Les bons retours de l'Arquet qui récupère énormément de ballons. Piazza toujours en force. Marcodi, l'arbitre. Parce que c'est vrai que la première faute était sur Piazza, c'est un peu vengé, c'est ce que lui a reproché l'arbitre. Il a donc inversé sa décision.
Le ballon pour Dre, qui va changer de côté. On ne s'affole toujours pas hein, côté PSV, mais a-t-on les moyens de revenir au score? C'est la question. Snagel. Larquet, mauvais contrôle. Il peut quand même remettre ce ballon devant. Ah non, on a glissé. Mésentente devant. Et le ballon est perdu. Récupéré par Van de Kerkhoff. Qui donne à son frère. Qui lève la tête. C'est là peut-être que ça manque de mouvement. Car là, tous les défenseurs stéphanois sont revenus se placer. Ballon contré. Et on compte souvent sur cet homme pour faire la différence. René Van de Kerkhoff, hein, mais il ne peut pas passer à chaque fois. Il était face à Hervé Révéli qui était redescendu. Alors, on monte les chaussettes. Hein. Côté Stéphano, on y va. On donne absolument tout. L'enjeu est de taille. Une finale de Coupe d'Europe. Il y aura évidemment le match retour, mais la qualification, c'est pour une finale de Coupe d'Europe. Ça n'est pas arrivé hein, en France depuis 1959. Attention à cette sortie, Kurkovic, en deux temps, garde la maîtrise du ballon face à Luxé. Il est solide, le Yougoslave, successeur des plus grands gardiens stéphanois. On pense à Claude Abbesse, Pierre Bernard ou encore Georges Carnu. Battenay. Qui accélère, Battenay, qui garde la maîtrise de son ballon, peut-être pour Rosto. Rosto qui frappe. Oh, c'est à côté. C'est à côté alors que tout le stade s'est levé. On a vraiment cru au but stéphanois. Regardez cette petite déviation de Révéli, c'est parfait. Et la frappe surpuissante de Dominique Rosto. Et pour une fois, on avait l'impression que Van Beveren était battu. Quelle occasion pour les Verts. Ah, ce deuxième but aurait été le bienvenu. Toujours 1-0. Attention à ce ballon de Lopez pour Ekström. C'est bien fait. Petit pont sur l'Arquet. D'habitude, c'est l'Arquet hein, qui réalise ce genre de geste technique. Attention, deuxième poteau. Directement sur Kurkovic. Tête de Luxé là. Qui n'a pu catapulter ce ballon de l'autre côté. On ne prend pas contre-pied Kurkovic comme ça. Farison pour l'Arquet, Battenay directement au centre. Il y a des bonnes positions en ce moment pour les Stéphanois avec le centre de Sinagel comme ça à la surface de réparation. Oh, il y avait Révéli Rocheteau qui était bien placé et le ballon dans les pieds de Van der Kuylen qui relance. Drake qui est monté. Longue transversale. Mais derrière, c'est du solide. Vraiment, la défense stéphanoise. C'est un régal. Avec Sinagel. Ouais, qui est passé. Et qui réclame une faute, Sinagel. Et c'est pas évident. Si on a le ralenti, pas certain que Van de Kerkhoff ait touché Christian Sinagel. En tout cas, à part ralenti comme ça, on ne se fera pas d'idée sûre et certaine, mais c'était loin d'être évident. Encore une occasion, bonne sortie des défenseurs néerlandais qui souffrent en ce moment. Les Verts ont retrouvé leur second souffle dans cette fin de match. Luxé qui peut mettre juste derrière Van der Kuylen. Ouais, dans l'axe, c'est bien fait pour Dekkers qui était monté, qui peut frapper, c'est contré. C'est pas fini avec cette frappe, encore une fois, complètement manquée de Luxé. Il a pourtant des bonnes positions, Luxé, tout à l'heure de la tête et maintenant avec cette frappe. Mais Kurkovic était encore fort bien placé. En train de gagner hein, son match face aux attaquants du PSV, Ivan Kurkovic. Un peu comme un gardien de handball. Quand il mine le moral à force des attaquants adverses. Attention, ça centre au premier poteau, le ballon est dévié qui traverse surface de réparation. Voilà, oh, frappe manquée. La frappe manquée de l'Arquet, il s'en veut. Et en tout cas, il était là pour reprendre ce ballon. On va revoir ça au ralenti. Personne pour dégager ce ballon. Petite déviation au premier poteau et l'Arquet qui a
comme une fusée. Et qui reprend ce ballon qui va passer assez loin des buts. Il a pris tous les risques, le capitaine stéphanois. 28 ans l'arqué. Grande, grande carrière. Lui aussi un peu comme Herbin pour l'instant. Même s'il a commencé à étaule, et bien vraiment. Non, c'est Rocheteau. Il a commencé à étaule l'arqué. Qui lui a dû passer par Pau. Et bien. Toute sa carrière est vouée à cette équipe de Saint-Étienne. Rocheteau s'est contré. Réveilly, c'est compliqué. Ça commence à être dur physiquement. Et Van Beveren qui peut relancer. Mais vous voyez, on n'en veut pas de ces ballons du côté des défenseurs néerlandais. Alors boum, loin devant. Tête de Lopez. Willy van de Kerkhoff. Le ballon est contré. Fin de match un peu désordonné, haché. Le ballon va sur phase de réparation. C'est passé, pas de problème pour Kurkovic. Allez, les encouragements des supporters stéphanois sont les bienvenus parce que fin de match crispante. Ici à Geoffroy Guichard. Surtout ne pas prendre de but. Et maîtriser ce que semblent d'ailleurs très bien faire les stéphanois. Maîtriser cette deuxième mi-temps. Petite faute a priori. Ah, l'arbitre qui n'a pas laissé l'avantage. Que c'est dommage, que c'est dommage. C'est ce qu'a sûrement dit Patrick Revelli à l'arbitre de ce match. Il était passé, Patrick Revelli. D'ailleurs, c'est lui qui va aller tirer sur cette blessée. Hein. C'est dur en cette fin de match. C'est lui qui tire en ce coup franc qui traverse la surface de réparation. Une défense qui n'aura quand même pas donné tous les gages de garantie suffisants pour être rassuré, notamment du côté de Van Beveren. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de flottements derrière, même si le but a été marqué, on le rappelle, sur un coup de pied arrêté. Ekström. Oui, ça c'est bien fait. Beau geste de Van der Kuylen. Super technicien. Ekström. Longue chandelle. Il n'y a pas de problème pour Kurkovic sur ce genre de ballon. Et l'arqué qui est revenu. Sénégal. Les deux joueurs se sont gênés avec Piazza qui passait par là. Et c'est dommage. Van der Kuylen là-bas côté droit. Attention. Avec Stevens qui était monté. On peut écarter là-bas pour Luxé. Pas de problème. Kurkovic, quel envolé! Quel envolé devant Ekström. Le gardien yougoslave s'est fait plaisir là sur ce centre. Plaisir lié à l'efficacité évidemment parce qu'il n'a même pas relâché ce ballon. Confirme vraiment là, que c'est l'un des meilleurs gardiens européens, Ivan Kurkovic. Oui, Van de Kerkhoff qui cherche des solutions au milieu de terrain. Il y en a de moins en moins devant. Voici son frère. René. Déviation. Avec Krieg qui peut centrer. Non, c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai qu'on cherche un peu trop la tête de Ekström. Qui lui se prend la tête depuis. Ça fait au moins 20-25 minutes. Ekström qui passe quand même à côté de ce match. Marqué, il aura le match retour pour se reprendre. Alors que. Qu'est-ce que je veux, sa sortie en Dahlquist à la mi-temps. Voilà, on joue là-bas dans un petit périmètre, on garde ce ballon, on gagne du temps. C'est bien. Du côté des Revelli, on a de l'expérience à Hervé Revelli, il a 29 ans. Et ça sert face aux jeunes joueurs que sont Lopez, Janvion, Rocheteau. Pas de faute. Ici avec Krieg qui peut remonter ce ballon côté gauche.
Jean de Kharkov avec Batley. Non, c'est pas passé. Intervention de Janvion. Qui a été quand même malmené, Janvion, mais finalement leur a réalisé une bonne partie. Et il apprend vite. Hein. C'est sûr qu'avec de tels joueurs, Gérard Janvion fait des progrès extraordinaires à chacune de ses sorties. C'est l'avantage de jouer de tels matchs de Coupe d'Europe. Ils ont passé le Bayern en demi, cette fois-ci le PSV. Et pourquoi pas une nouvelle finale. On y croit en tout cas. Il y a des raisons d'y croire après. On est fatigué là, on est fatigué, c'est sûr. Ce qui explique ces ballons perdus. Mais ce qui est rassurant pour les Stéphanois, c'est qu'on est fatigué des deux côtés. Des Kurs. Non. Ballon perdu par Stevens. Alors que l'on va effectuer un changement côté stéphanois. Lopez. Lopez qui lève la tête, qui met là-bas côté droit. Ça, c'est dur en fin de match. Le ballon est tout de même récupéré et perdu. Attention à la contre-attaque avec Van der Kuylen qui préfère revenir sur ses pas. Voilà qui est fait et bien fait. Longue ouverture. Ouais, non, c'est sorti. Alors, c'est Batney qui va sortir, a priori. Se plaint de la cuisse. C'est pas certain, on marque ici. On va attendre la confirmation si c'est Batney qui va sortir. Il n'a pas l'air content de sortir, Dominique Batney. Et la rentrée de numéro 14, Pierre Repellini. Pas joué longtemps Repellini en cette fin de match. Mais ça a permis au vert de souffler quelques instants. Bien joué de la part de Herbin. Attention à ce ballon. Oh, s'il la touche, Rocheteau. S'il la touche, eh bien, elle peut la donner à Revelli. Et là, c'est dangereux. C'est récupéré par Patrick Revelli. Quel courage encore une fois. De Kharkov qui réclame une faute, Edstrom. Janvion garde ce ballon pour Sinagel. Piazza qui écarte là-bas. C'est bien fait. Farison qui a peut-être donné à l'arquet. Et c'est récupéré par Van de Kharkov qui file là-bas côté droit. Attention! Il est dangereux, René Van de Kharkov qui va accélérer, mais qui ne passera pas. Christian Lopez, intraitable vraiment, superbe geste défensif. Ouais, faute absolument de la part de Louis Van de Kharkov sur Sinagel. Auteur d'un très bon match également, Christian Sinagel. Au milieu de terrain avec Larquet et Batney. Vous voyez, les mains sur les hanches, c'est très très dur. Oh, c'est s'économise pas. Je peux vous dire que là, on ne pense pas au championnat, on ne pense pas à l'équipe de France. On pense exclusivement à cette demi-finale. Allez, encore des joueurs hors-jeu, notamment Rocheteau. Avec ses montrées ultra rapides des joueurs du PSV. Qui peut donner derrière. Bon ballon devant. Ouais, c'est bien fait. C'était millimétré pour Van der Kuylen qui a tenté un geste difficile et ce sera un corner. Attention à ce coup de pied arrêté. Une des dernières occasions pour cette équipe du PSV Eindhoven sur corner. Premier poteau. Ouais, c'est dégagé. Par Repellini. Et là, on pensait à un corner, mais l'arbitre donne le ballon devait être sorti déjà. Un dégagement en 6 mètres. Janvion. Larquet. De tous les combats, Jean-Michel Larquet, il est devant, il est au milieu.
Il est derrière, longue transversale. Ouais, c'est passé côté gauche. Parizon qui peut centrer, il a encore la force de le faire. Van Beveren, impeccable. Remarquable partie du gardien néerlandais. Il aura vraiment été très bon et il faudra le battre au match retour. Ce ne sera pas facile en marquer. Les Stéphanois n'auront pas besoin de le battre. Hein, 0-0, les qualifieraient. Oui, Van de Kerkhoff qui peut donner ce ballon côté droit pour son frère. Qui attend du renfort. Alors il n'y en a pas, il va y aller tout seul. Il peut centrer peut-être pour Ekström. Et le premier, c'est Piazza. Attention à ce ballon. Pas faire de faute hein, dans cette zone du terrain. Et les Verts maintenant qui prennent leur temps. Ils vont avoir une fin de saison passionnante avec cette fin de championnat où ils sont un peu. Ils ont mené hein, tout au long de ce championnat. 75-76, là ils sont un peu chahutés en ce moment. Demi-finale retour de Coupe d'Europe qui aura lieu le 14 avril prochain. Et s'ils s'imposent, eh bien le 12 mai, ils iront en finale de Coupe d'Europe. Et ce sera un grand moment avec cette percée, ce ballon contré. On va jouer les derniers coups à fond côté néerlandais. Avec ce ballon, non. Qui est contré. Kurkovic qui dégage le plus loin possible. Et c'est la fin de ce match. Et d'ailleurs, les joueurs du PSV qui s'encouragent ont l'air satisfaits de ce 1-0. Mais c'est plutôt une belle victoire pour les Stéphanois qui vont pouvoir savourer ce but de Jean-Michel Larquet. Ils n'ont pas pris de but ce soir. C'est très très important. Saint-Etienne qui s'y s'impose lors de cette première manche 1-0. Attention, match retour tout de même, mais les Verts eh bien, peuvent espérer, peuvent y croire pour espérer eh bien, décrocher une finale de Coupe d'Europe, même si les Néerlandais Van Beveren, qui lui n'a rien à se reprocher parce qu'il a fait un très grand match, tout comme Kurkovic, eh bien, ça vaudra le déplacement dans une quinzaine de jours du côté de Eindhoven. 1-0 pour Saint-Etienne qui a quand même réalisé une très très grande prestation.